Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve les amis au... On se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode 50 du Let's Play Les Sims 4. Et Fortin, toujours aussi gentil, qui nous dit bien évidemment, enfin un problème sur le live. Très gentil, merci à toi. Alors, on continue. C'est pas rigolo en fait, le jeu, l'ordinateur dit que les Sims se sont éteints en fait. Voilà, donc je rigole qu'à moitié dans l'histoire. C'est... Voilà, le jeu fonctionne, mais il est censé être éteint. Bon, me demandez pas pourquoi. Ça fonctionne, mais c'est censé être éteint. Et j'avais dit que Sarah devait faire son propre gâteau d'anniversaire, juste avant de lancer le record, un petit gâteau au chocolat. Because son anniversaire. Et donc, c'est à elle seule de faire son propre gâteau. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais bon, ça fonctionne. Ok, peu de bug. Non mais, s'il te plaît, Polo là. Wouh! Du calme, Patrick! Elle est en train de péter une plonne, celle-là. Pète un plomb! Oh là, c'est parti, voilà. Eh oui, mais c'est comme ça qu'on fait la fofolle, hein. Puis qu'il est 4h du matin et qu'on est en train de faire un gâteau d'anniversaire, hein. Eh oui. C'est comme ça que ça commence. Hey. On dit pas non plus comment ça se termine, hein. On sait pas. Ah, mieux, vous inquiétez pas. Pourquoi est-elle tendue? Les autres ont le caractère jalouse. Pourquoi? L'autre moitié n'est pas là. Comment ça va, lui de... Ça va, hé, hey, 2 minutes, Jacqueline, il était en train de travailler. Oh, après, il est rentré à la maison, et c'est bon. Si tu savais ce que faisait Patoche dans le dos d'Axel, hein, t'en pourrais plus, toi. Hein. Parfait, le bon gâteau. Donc, personne ne touche. On ajoute des bougies d'anniversaire. Et on dit tout simplement à Axel de venir. Et une fois que c'est fait, on souffle les bougies. Là, et enfin, on fait un vœu. On goûte le glaçage. Et on souffle les bougies. Ouais. T'as sorti ça d'où, toi? Voilà, tout le monde fait son anniversaire aujourd'hui, je vous l'ai dit les amis, aujourd'hui tout le monde fête son anniversaire. Et ben voilà, c'est l'anniversaire Sarah vieillit, l'âge adulte au programme, rêve à réaliser, retraite à préparer, crise de la quarantaine, alors il n'y a pas de temps à perdre. C'est très sympathique ça, dit donc, hein. Et merci à toi Eva010399. Ou tout simplement du premier... Hein? Du premier 31? Non, non, c'est... possible. À table! Tout le monde prend une part. Même Axel. Et c'est parti. Tout le monde va manger ça dans le canapé de la chambre d'Axel et Patoche. Et Jess qui nous dit, moi je suis au Canada. Dis-moi, il est quelle heure, Jess, au Canada? S'il est 15h de l'après-midi, alors là j'ai le jackpot. Eh bien, mes pequeños, il est l'heure d'aller faire dodos parce qu'il est tardos. Hop là. Allez, tout le monde au lit, il est tard, faire dodo. Axel qui est dans un état critique, elle n'en peut plus, elle est sur le point de péter un plomb. Même Juliette. Juliette, ça fait 10 ans qu'elle a fait cette voix, elle. Tu... Ah bah non, travail supplémentaire. Que dalle, au lit. Juste au lit. 15h. Alors là. Eh hey. Oh. Faut que j'aie eu une médaille. Non, tu la laisses tranquille. Juste faire dodo. Oui, oui, même s'il est 7h du matin, on se couche pas à 7h du matin, je le sais. Mais c'est comme ça, Marcus. Ah, tu le sais bien. C'est la nouvelle maison, tout le monde fait la teuf un peu, partout, tout le temps. Pourquoi tu peux pas dormir? Ah, parce que tu peux pas. C'est pour ça que tu dors pas et que t'es tout le temps fatigué.
Ok, ma poule. Mais t'inquiète pas, Benji, elle a solution pour toi. Oh. Hé. Jean-Claude Duss, tu te calmes. Non, on m'appelle comme ça, c'était bien. Hop là. Hop là. Ah, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça pose pas? Bah, ça passe pas en tout cas, c'est pas grave. On va mettre ça là. Et ça là. On va le retirer. Voilà, du coup tout le monde peut dormir, c'est ça? Sarah, tu peux faire dodo ici. Et Marcus de l'autre côté. Parfait, tout le monde est content. Nickel. Hein? Pas accompagné. Eh oui, c'est à l'heure d'aller au travail. Oh, debout! Hé! Attache! Il est temps d'aller dormir! I love speaking. Entendre les Canadiens parler. Ah, Benji n'est pas canadien. Non, je ne suis pas canadien. Je ne suis pas canadien, du calme! Allez, c'est parti. Go pour le Patrick au travail. Encore une très longue journée qui les attend. Pendant que tout le monde dort à la maison en mode grosse feignasse, bien sûr, parce qu'il y a un restaurant à tenir tout à l'heure. Parce qu'il y a un restaurant de la part d'Axel à tenir tout à l'heure et qu'il faut une grande performance et que Axel, Sarah, debout. Bon, ça va, ils sont pas trop fatigués. Ok, elle change trois fois de vêtements, elle, c'est une folle. Ça va, ils sont pas trop fatigués pour aller au travail. Ça va, bien, bon. Parce que les amis, il est 11h. Et oui, il est 11h, donc Sarah, Axel, pardon, debout. Hop, pipi, une petite douche. Qu'est-ce qu'on a comme option de douche? Tonifiante, là, on en a besoin. Après la nuit qu'on a passée, quand même, c'est assez fou. On fait du petit zapping télévisé juste à côté. Ensuite, est-ce qu'on a un micro-ondes? On n'a pas de micro-ondes. Bon, bah, c'est pas grave, on va se faire un truc à la poêle. Sur le petit gaz, on va se prendre un petit pain perdu vite fait, c'est rapide à faire. Hop là, voilà. On va se préparer, vous allez voir, on va pouvoir ouvrir le machin à midi. On va l'ouvrir maintenant pour de la folie. Hop, voilà. C'est parti, c'est ouvert. On a perdu une étoile, les amis, j'ai vu ça, on a perdu une étoile. Et on a aussi la facture à payer. Ça, c'est une autre histoire. Payer la facture. Bon, ça va. Côté plein de thunes, on a ce qu'il faut, pas de problème. La Normandie, c'est une belle région, c'est une très belle région. Et merci en tout cas, les amis, à tous ceux qui sont là, ça me fait hyper plaisir. Bon, elle est censée travailler là en fait. Hein. Bon. Écoutez, chacun sa manière de travailler. Arrêtez de critiquer, hein. Elle fait du mieux qu'elle peut. Non? Si. Oui. Voilà. Rofé nous appelle. Notre entente. Mais je m'en fous de notre entente. J'ai même pas lu plus. J'arrivais, hop, j'ai lu marqué. Notre entente, j'ai fait. Allez, c'est bon. Eh bah écoutez, elle est énergisée, c'est cool ça, voilà. Et on peut dire qui? On peut dire gracias à la douche. Après une journée très compliquée comme ça, hein, tu peux... Voilà, tu peux manger, tu peux passer une très agréable journée. Il y a de la nourriture partout, heureusement que nous avons notre domestique qui vient je ne sais pas quand. Qui aurait dû déjà venir, en fait, pour tout dire. T'es pas à l'école, toi? Pourquoi t'es pas à l'école, toi? Elle est revenue, autant pour moi. Ok. Oh, tu vas devoir rester toute seule. Hein. Je suis sorry, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien. Voilà, allô, on paye la facture. Ah, c'est parti. Voilà, maintenant on va au restaurant là, parce que vous avez vu, on a déjà fait deux plats, les gens, faut les accueillir. Hein. Encore une purée journée qui nous attend. Quoi, Benji, pas canadien? J'ai dit cela, je me désabonne. Non, pas canadien. Moi, ne pas être canadien. La lampe, là, j'ai la projection dans la gueule. Pardon, excusez-moi. Tout va bien. Pas de panique. Alors, où sont los clientes? Ok. Ils sont installés là. On va les accueillir. Ok. Il y a du monde. Il y a du monde. Vous avez vu les amis, on a carrément perdu une étoile, donc on a plus qu'intérêt les amis de faire un purée de service si on veut garder nos étoiles. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué mesdames et messieurs, mais on va essayer de le faire, on va y arriver, on va essayer d'y arriver du moins. Et ça va être très compliqué. Voilà, c'est très très compliqué les amis, vous remarquez.
Aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, faut le mettre à la poubelle. Oui, je vais garder un œil très ouvert, hein, les amis. Je vais garder un œil très avisé sur tout ce qui se passe. Ah, et merci à toi, Ensla, qui vient de follow. Je l'avais pas déjà fait. Oh, je sais plus. Moi, je confonds tout, là, c'est... Ont-ils commandé, c'est nos amis? Ah oui, d'accord. Ah, Omar, Terminor. Quoi? Thermidor, c'est ça, ouais. Et une truite meunière. Bon, vous avez plus qu'intérêt, mes cocos, de me mettre un plus que 5 étoiles... 4 ou 5 étoiles. Hein. Parce qu'alors là, je serai un poco totalmente de sudos. Parce que vous goûtez quand même à des produits vachement de luxe. Ah ouais. 4 étoiles, c'est ça, hein. C'est quand même vachement des produits de luxe. Je comprends pas pourquoi ils vont pas au-delà de 5 étoiles. C'est limite un peu dérangeant, même. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils attendent une cuisine différente. On va demander une préparation soigneuse de la part de notre cuisinier. Peut-être que c'est ça qui va faire la différence, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il a une qualité trop normale, du coup ils reçoivent des plats de qualité excellente, mais c'est pas réellement ce qu'ils attendent. Peut-être. C'est peut-être ça. Bon, en tout cas, on a changé ça. Ok, alors oui, il y a peut-être du monde en haut, j'ai pas vu. Oh, il y a personne. Tout va bien. C'est bien parce que si on veut des tables avec plusieurs personnes, il y a ce qu'il faut. Si on veut des tables à deux personnes, il y a ce qu'il faut. Ou une personne, il y a ce qu'il faut. Et puis voilà, là aussi, il y a ce qu'il faut. Ah, il y a des gens dehors, je les avais pas vus. Je les avais pas vus et je les ai d'ailleurs même pas vus. Non, non, c'est Axel, t'es sérieuse là? T'avais même pas vu. Veuillez mes excuser, mon cher ami. Hein. Je vous en prie, dégustez. Bon, ça, normalement, c'est la suite lune de miel. Bon, que vous voulez. Hein. On vous laisse tranquille, bien sûr. En fait, là, pour savoir s'ils ont fini de manger ou pas, on vient regarder par la fenêtre. On vient regarder par la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais c'est sympathique. Vous mangez comme ça, une seule tape pour manger à l'extérieur, ça suffit largement. On va se faire un masse pognoles aujourd'hui, les amis, ça va être phénoménal. Tout le monde qui nous laisse plus de pourboire, tous ceux qui mangent hyper bien des trucs de luxe. Ah, lui c'est un nouveau, j'avais pas vu, on va aller l'accueillir. C'est bon, c'est fait, parfait. C'est fait. Nettoyer, ok, ok. Ça va aller. On va faire un très bon service aujourd'hui. Par contre, là c'est nous qui sommes totalement en train de faire tout là. Ah, bonjour. Je sais pas pourquoi, mais toi après. Il ne met pas par terre, Jacqueline. Pourquoi tu mets par terre? Et à la new Super Lola qui vient de nous tweeter il y a 4 minutes, moi devant le live de live, hashtag live de Benji. Alors c'est plutôt hashtag Benji en live, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Pas de panique. Tout va bien. C'est un peu chiant. Navigateur Chrome qui bug là. Attendez, je. Souci technique. Je règle en direct. Navigateur qui bug. Pendant que Axel fait le ménage, bien sûr, comme d'habitude. Ok. Problème technique, c'est pas grave. Nous n'avons plus de points de non-retour. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh purée, j'ai cru que c'était des tâches sur la dame. Je fais quoi? Ils ont fait une mise à jour? Ah, des new! What the fuck? Groupe les nains de jardin, les habitués, le service est fantastique dans ce restaurant. Oh merci, ça me flatte! Je suis très flatté! Ok, les gens d'au-dessus sont partis, les tables sont débarrassées, donc il n'y a rien à signaler. Mrs. Gothic is here. Mr. Gothic commande? Non, Mr. Gothic ne commande pas encore. Ok.
Je ne vois plus le chat, alors excusez-moi, ça a complètement planté. Oh! Ok, ça a complètement planté. Oh! Ça a planté. Ok, tout a planté, les amis. Je n'ai plus le chat, veuillez m'en excuser. Je sais pas pourquoi. Le navigateur. Le PC! Le PC portable que j'ai à côté là, il a freeze. Allô? Monica Bellucci? Bah. Je teste des choses. Vous allez voir ça. Alors, on va faire un peu la vaisselle. En tout cas, lui maintenant il nous fait une préparation soigneuse. Donc, bon. Pour l'instant, il est pas en mode tout le monde attend. Il récupère la commande, il s'y met tout de suite, ça va. On n'a pas non plus un nombre de clients totalement ingérable. Oh mon dieu, il y a du mouvement. Ah, c'est beau. Oh là là, il s'est passé des choses là depuis. Oh, carton, pourtant j'arrive bien à lancer LOL, ça bug de rien. Internet. Ah oui, effectivement, si ça bug et que t'as pas internet, ça c'est compliqué. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que ça. C'est mon anniversaire, organiser la fête pour Julie. Oh, mais c'est l'anniversaire de tout le monde aujourd'hui, c'est fantastique. Ok, bah à plus en tout cas, Ensla. Voilà, voilà, simplement. Merci à toi d'être passé. On remet le Twitter hashtag Benji en live, évidemment. Voilà, ça, Fox. C'est bon, il y a eu juste un énorme bug. Ok, bon pour l'instant lui il est pas bien. Oh, 3 étoiles, t'es sérieux? What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ok, tout va bien, le poste. Unplon. Ok. Ok, ok, tout va bien. On a gagné des sous ce soir. Hein. Si les amis avec ça, c'est pas au budget, hein. Moi je ne comprends plus. Oh là là! Oh, tout ce pognon là d'un coup, je suis obligé de changer la vitesse du jeu, vous vous rendez compte? Oh là là, mon dieu. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous a pris, lui? Qualité excellent, qualité excellent, qualité excellent. Parce qu'à chaque fois, il reproche de faire un truc en mode soigneux. Bah écoute, voilà. Ah, elle, par contre, elle vient chercher un plat qui n'est pas prêt. Ça, c'est pas bien, mon cher. Ça, c'est pas bien du tout. Ah, des nouveaux clients. De la nouvelle clientèle. De la nouvelle clientèle qu'il faut accueillir. Regardez ces nouveaux clients qui arrivent dans ce restaurant à 1h30 du matin pour manger un repas. D'ailleurs, on va d'ailleurs aussi fermer l'entrée. Oh, y'a ta petite plein de pognon, bisous bisous. Tu leur donnes des sous? Non, je comprends bien. Mais c'est la crise pour tout le monde, Jacqueline. Mais son nouveau. Je les ai pas accueillis, je les ai pas servis en priorité. Il commence à râler. Jean-Michel Duvin, il commence à râler. Bonjour, excusez-moi les mille excuses. J'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir leur table à eux. Ah, et merci à toi, Ouju du 93 qui vient de s'abonner. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ça. Tout cette impulsion, les amis, vous avez vu ça, c'est fantastique. Hein. Bon, on va aller bientôt les gérer. Tout se passe bien. Si vous mettez un 5 étoiles, je vous fais un gros bisou. Oui, parce que là, on gagne un pognon assez monstrueux, les amis. Comme vous le constatez, quand on va fermer le restaurant, là, on aura gagné une quantité d'argent phénoménale. Il n'y a pas de nouveaux clients? Non. Oh la vache, regardez, les amis, elle court. Elle a couru, j'y crois pas. Elle a couru vite. Purée, elle se tape un sprint avec le plat, quoi. Purée, elle se tape un sprint avec le repas pour les servir. C'est du grand n'importe quoi. C'est excellent, hein. Ah oui, on a un de ces cuisiniers. Une vraie merveille. Et merci à toi, du 93, bien évidemment. Axel n'a pas pris un peu de bidon. On va vérifier. Oh! Bidon, bidon, fait fesse! Oui, cette conversation est très mature, vous l'avez remarqué. Hey! Tu as complètement l'œil, Fortin! Eh oui! Merci en tout cas à toi, Jess, d'être passé. Je donne quoi? LSD, oui, oui. Tout va bien, Salé, tout va bien, t'inquiète pas. Alors, merci, comment, tout le monde commence à claquer. C'est normal, c'est tout à fait normal. On prend plus personne. On est fermé.
On est fermé. Désolé, on est fermé. D'accord, on va se faire pisser dessus. Bon, ils sont servis ou pas? Là-bas, ils sont servis, ils ont payé. Hop, on ferme. Voilà, bah écoute, on a gagné 2660. On a gagné la Toudex. On a gagné des sous aujourd'hui. Oh mon dieu, quelle bonne journée. Ah oui, aujourd'hui c'était vraiment une bonne journée. On a gagné des sous, c'était fantastique. Ah oui, aujourd'hui on a gagné des sous, les amis. Oh là 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 là. Au moins une journée avec un profit intéressant. On rembourse un peu les fonds. C'est bien, c'est cool. Ça fait du bien des fois quand on gagne un peu plus de sous comme ça, non hein? Quand vous avez un restaurant et qu'il se porte comme ça à merveille, bon, on ferme à 5h du matin, mais ça c'est une autre histoire, vous le savez. Mais quand on a un restaurant et que ça fonctionne comme ça, on est hyper content. Le cuisinier est une perle, bien sûr. C'est une perle rare, comme nous avons l'occasion de très peu rencontrer dans notre vie. Alors, me demandez pas c'est quoi cet accent, je ne sais pas du tout. Voilà, voilà. Bien, et bien, écoutez les amis, pour cette rediffusion, on va se quitter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé, surtout n'hésitez pas à laisser un j'aime et de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, j'en peux plus. Je voudrais pas que je fasse un live 24h, moi, parce que je finirai par terre, les amis. Je finirai par terre avec le clavier, la souris, le micro. Vous m'entendrez même plus. Je finirai par terre en mode j'en peux plus. Au secours. Parce que là, les amis, juste pour vous donner à peu près l'idée, ça fait que 1h30 qu'on est en direct. Hein. Ça fait que 1h30 qu'on est en direct. On est même pas à la moitié de la soirée. J'en peux déjà plus. On n'a pas encore découvert le jeu mystère, les amis. Mais j'en peux déjà plus. C'est formidable. C'est formidable, les amis. En tout cas, vous allez regarder sur les vidéos dans les commentaires. On se retrouve, les amis, très rapidement pour un de vos épisodes favoris, les amis. À la prochaine. Et ciao, bye bye.